On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons faire le point sur toutes les rumeurs qui se sont précipitées autour d'Apple. Tout de suite, c'est le sommaire. Elle court la rumeur autour d'Apple. Cela a commencé cette semaine par le possible rachat de Love par Cupertino en vue de produire des télés. Puis c'est l'iPhone 5 qui a mobilisé les spéculations. Le prochain téléphone d'Apple se verrait greffer un écran plus grand et sa production serait déjà dans les starting blocks. L'iPad n'est pas en reste, dont la sortie d'une version plus petite et moins chère a également fait le buzz sur le web. Sans oublier le renouvellement tant attendu des iMac et des MacBook Pro qui serait bien plus qu'une simple mise à jour. Alors un faux ou un tox débat, on refait le Mac épisode 102 des rumeurs en rafale. Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitlemac.com mais également sur le portail Hightech Clubic et sur electronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCritic. Avec comme chroniqueur ce soir, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Bonsoir Olivier. Cédric qui travaille au bureau aujourd'hui. C'est quoi ton blouson? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as fait un stage métrosexuel? Non, simplement j'ai froid. Voilà, en dessous je suis en t-shirt et voilà, j'ai mal calculé ce soir. En mai, fais ce qu'il te plaît, dit le proverbe, l'adage. En fait, c'est pas vrai. Autre chroniqueur, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu dans Refait le Max, c'est Emmanuel Paquette du magazine L'Express. Bonjour Emmanuel. Bonsoir Olivier. Ça va bien? Oui, magnifique blouson aussi, j'aime beaucoup ce que tu portes. Allez, foutez-vous de ma gueule, c'est super. Autre chroniqueur récurrent dans Refait le Max, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, enfin récurrent, t'as essayé de m'éliminer la semaine dernière. T'avais pas qu'à aller, en m'abandonnant lâchement comme un animal. T'avais pas qu'à aller voir tes enfants illégitimes dans le sud de la France, mon chéri. C'est vrai, ouais. Voilà, mais j'ai rompu ma laisse et voilà, je suis de nouveau parmi vous et bien content. Très bien. Et dernier invité, dernier chroniqueur, c'est Rodrigo Sepúlveda, Schultz, investisseur, podcasteur, entrepreneur et j'espère ce soir de bonne humeur. Bonjour Rodrigo. Ça arrive. T'as passé un bon week-end Olivier? Ça va. Ça va très bien. La Formule 1 a été comme il fallait? Là? La Formule 1. Ah ouais, c'est top la Formule 1, je suis un fan. Alors messieurs, beaucoup de rumeurs cette semaine autour d'Apple. Il ne se passe pas grand-chose du côté de Cupertino, mais c'est bien, les sites se chargent de créer l'actualité, donc on va essayer de trier le grain des livrets, si vous êtes d'accord. Mais d'abord, je me tourne vers Emmanuel Paquette qui a sorti une info intéressante sur Apple, et notamment sur le chiffre d'affaires des Apple Store, n'est-ce pas Emmanuel? Oui, puisque maintenant 2 ans d'existence en gros, hein, puisque le premier a ouvert à Paris au Louvre en 2009 de mémoire. Donc à Apple, les stores sont passés de 80 millions d'euros en 2010, à la fin 2010, à donc 205 millions d'euros à la fin d'année 2011. Donc c'est une croissance de 150%. Voilà. Et on estime que les Apple Premium Resellers font autour de 150 millions d'euros sur le marché français. Donc pour la première fois, Apple, en termes de vente dans ses boutiques, dépasse son réseau d'agréés Apple. C'est-à-dire avec simplement une dizaine de magasins Apple 9, Store. 9 à l'époque, ouais, 10 maintenant. 9 magasins ouais. Apple Store, ils font plus d'affaires que près d'une quarantaine d'Apple Premium Resellers qui cadraient ouais. Le territoire. Exactement. Voilà, et sachant que... Donc c'était rapide. Ouais, et qu'Apple n'a prévu encore d'étendre son réseau. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil au dernier numéro d'iCreate d'ailleurs, qui devrait paraître le jour de publication de ce podcast. Il y a un excellent papier d'un petit jeune journaliste qui s'appelle Olivier Frigara sur les Apple Store. Consultez-le, c'est intéressant. Voilà. Bien, messieurs, cette semaine, nous avons assisté à, je dirais, une valse de rumeurs, mieux une rafale de rumeurs, à commencer le week-end dernier par la rumeur autour de Love, le fabricant de téléviseurs allemand, plutôt premium, avec une rumeur comme quoi, selon Apple Insider, Apple serait intéressé pour acheter le fabricant de téléviseurs, donc pour une somme de 87,3 millions d'euros, rien que ça. Autant dire des queues de cerises. Hein, pour Apple, oui.
Mais on y reviendra. Alors, c'est assez curieux, monsieur, parce qu'on entend depuis pas mal de mois, et on est bien passé pour le dire ici, puisqu'on l'annonce depuis des mois que la télé d'Apple va arriver. Apple n'a pas forcément besoin de levée pour sortir un téléviseur, monsieur. Qui veut prendre la parole? Cédric. Moi. Non, moi, quand la rumeur est sortie sur MacRumors ou je ne sais plus où, Apple Insider, absolument. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'Apple aurait besoin de Leveux? Pour faire quoi exactement? Leveux, ils font le métier que Apple va faire en mieux, c'est-à-dire ils prennent des dalles qui sont faites ailleurs, en l'occurrence chez Sharp, comme Apple apparemment, pour en faire des téléviseurs. Ou LG, absolument. Ouais. Mais ils ne fabriquent pas ces dalles. Enfin, ils ont une valeur ajoutée qui est purement, on va dire, dans le design, quoi. C'est d'ailleurs une petite entreprise qui, en plus, perd de l'argent. Donc, on se dit, mais dans cette chaîne-là, de quoi Apple a-t-il besoin? La réponse est pas avec BO, pas grand-chose. Ça tenait pas debout pour moi. Du coup, quand ça a été démenti, Alors, n'allons pas trop vite parce que ça a été démenti, mais d'une manière un peu bizarre. Mais bref, j'ai une question pour Monsieur X. Est-ce que dans l'ADN d'Apple, c'est pas dans l'ADN d'Apple de racheter des grandes marques très connues, même si c'est une marque très très haut de gamme et pas aussi grand public qu'un Philips ou qu'un Samsung, beaucoup plus petite, c'est pas dans l'ADN d'Apple de racheter une marque bien installée comme Leveux, monsieur X? Enfin, Leveux, les gens connaissent surtout depuis la rumeur d'Apple Insider. Avant ça, personne ne connaissait. Hein. Si, ils étaient dans un corner au BHV, tu vois. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça concerne les 1000 bobos qui Monsieur habitent X. dans un rayon Allez. De 500 mètres autour de l'hôtel BHV. De ville à Paris. Donc personne. Ouais. Apple rachète de la technologie. C'est comme ça qu'ils ont monté un logiciel qui a disparu depuis, qui est échec pour les effets spéciaux. Logic Pro était un logiciel allemand au départ. Et puis ils l'ont racheté pour sa technologie. Ça, c'est du soft. Ils en ont fait un produit. À ce titre-là, la rumeur aurait pu être crédible parce que Leveux, je ne sais plus comment on dit, un portefeuille technologique assez important. C'est une marque haut de gamme, certes, mais qui est réputée pour ses innovations. Ils ont sorti parmi les téléviseurs les plus performants en termes d'économie d'énergie, une des premiers téléconnectés, et ils sont familiers de ça. Et puis aussi, ils sont compatibles avec Apple, ils ont des solutions AirPlay. Maintenant, Apple ne rachète quasiment jamais des entreprises qui proposent des produits finis concurrents des siens ou qui pourraient être concurrents des siens un jour. Ils viennent chercher une brique technologique qui va s'inscrire dans un plan plus grand. C'est ça qui paraissait bizarre, ce d'autant plus que je ne sais pas comment travaille Leveux, mais je ne crois pas qu'ils ont leurs usines en propre, et c'est plutôt ça aujourd'hui qu'Apple cherche, des composants, une usine, si toutefois l'Apple TV existe. Parce que moi, cette rumeur, même si elle est fausse, me fait dire qu'ils sont sacrément en retard. Voilà. Non, ça aurait été logique qu'ils l'achètent si ça avait été strictement complémentaire de ce qu'ils faisaient et si ça avait été quelque chose qu'ils veulent faire immédiatement, mais c'est pas complémentaire parce que c'est des choses qu'ils ont déjà lancées chez eux depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils travaillent à l'idée d'un téléviseur. En ce sens-là, ça fait pas beaucoup de sens. Ça ferait plus de sens, par exemple, on a déjà parlé dans ce podcast, qui rachète Sonos, par exemple, parce que voilà quelque chose qu'ils font bien, sans le faire. Et ils aiment bien, en plus, qui est parfaitement complémentaire, qui rentre bien, où les produits sont bien dans l'ADN de la marque. Mais Leveux, on voit. Et puis, de toute façon, Leveux, ils font des gammes de téléviseurs. Vous voyez Apple, quel que soit. Apple ne va pas se mettre à faire des gammes de téléviseurs. Non, mais tu sais, Cédric, quand ils avaient racheté Apple, la société allemande qui était à l'origine de Logic Pro, cette société allemande faisait du logiciel et puis faisait aussi des accessoires matériels. des accessoires MIDI pour gérer ses instruments, ça n'a pas empêché Apple de racheter cette société et puis de tuer tous les produits matériels que faisait cette société pour ne conserver que la partie logicielle. Voilà. Ouais. Moi, ce que j'en retiens, si je puis me permettre, c'est à qui profite le crime, comme pour toutes les rumeurs. J'ai l'impression qu'Apple Insider, je sais pas s'ils sont coutumiers du fait, mais n'avaient plus rien à raconter. Peut-être comme nous, des fois, dans On refait le Mac, ils se sont dit, tiens, on va faire une grosse et belle rumeur. Non, on fait jamais ça. Voilà, donc c'est du style Isabelle Adjani a le cancer et tutti quanti. Moi, je trouve ça pas très classe de la part d'Apple Insider. C'est à la limite, en plus, de la manipulation du cours boursier pour moi. Parce que l'action lundi, elle a pris 25% à l'ouverture, malgré le démenti de tout le monde.
monde, etc. Enfin, bon. Alors, manipulation de cours, en tout cas, une chose est sûre, j'en discutais avec des proches du constructeur français Lassy. Le constructeur de disques durs a en effet récemment acquis 10% du capital de Loveux. Et ses observateurs me disaient que Loveux était une cible intéressante parce qu'elle était sous-cotée et que c'était donc une bonne affaire, surtout que c'est une boîte allemande et que les boîtes allemandes ont des réflexes, pas protectionnistes, mais c'est vrai que quand on est... les Allemands achètent plutôt de l'allemand et c'est déjà... leur marché national est très profitable. Voilà, c'est ce qui nous manque un petit peu, certainement, chez nous, en France. C'était un thème récemment pour les élections. Bref, il y avait une rumeur... Une rumeur. Il y avait une analyse qui était intéressante sur le site Magaïdouille par rapport à ce rachat, un article cette semaine qui disait en gros Loveux pourrait être une cible intéressante pour Apple parce que Loveux concentre un nombre important de brevets, merci. Et donc voilà, pour éviter ce qui est arrivé avec Google lorsqu'ils sont arrivés sur le marché du smartphone, ce qui explique que Google par la suite ait racheté Motorola, Loveux serait une cible et une possibilité d'acheter ces fameux brevets. Vous y croyez, messieurs ? Alors là, j'aimerais bien voir les brevets, en fait, d'abord, tout bêtement. Parce qu'on parle de quoi, tu vois ? Un téléviseur, c'est quand même... Enfin, qu'est-ce qui est brevetable ? Ça va être des choses dans l'interface, des choses dans... Et le problème, encore une fois, c'est qu'on est tellement dans une phase, j'ai envie de dire, avancée de l'état des projets de téléviseurs chez Apple, que si c'est des questions qui se posent, ils se les seraient posées il y a 2 ans, 3 ans, etc., etc., enfin, un peu plus en avance, quoi. Pourtant, Google a racheté Motorola a posteriori, hein, Cédric. Ah oui, mais là, sous une pression immédiate et après avoir sorti des trucs. Donc, je sais pas. J'y crois pas. Et apparemment, Emmanuel, le marché de la télé est peut-être moins sensible que celui du smartphone, où c'est vrai qu'on peut peut-être déposer des form factors, des choses comme ça, où aujourd'hui, la télé, elle est bien installée. On peut pas forcément déposer ce qu'on veut, quoi. Bah, c'est compliqué. En plus, en termes d'innovation, la télé essaye à chaque fois de maintenir un prix relativement élevé des appareils en apportant quelque chose de nouveau. Ils ont essayé avec la 3D, le relief, ça n'a pas fonctionné. Après, ils ont essayé avec les téléviseurs connectés, avec pareil, un succès quand même qui reste mitigé. Et en plus, tous se suivent. Il n'y a pas une innovation majeure d'un fabricant qui arrive et qui bouscule tout. Donc pour l'instant, il y a un problème de mariage entre les contenus et le contenant, entre l'appareil. Bon, c'est sûr qu'Apple pourrait faire le pont de ce point de vue-là. Encore aujourd'hui, il y a eu une rumeur, justement, puisqu'on est là-dessus, d'Apple qui négocierait des droits avec ESPN, qui est la plus grande chaîne de droits sportifs au monde, États-Unis. Qui appartient à Disney, et donc dans le même giron qu'ABC. Dans le premier actionneur et la veuve privée et la veuve de Steve Jobs. Voilà, exactement. Et ça a été démenti par ESPN, donc on voit en ce moment beaucoup d'éléments comme ça, d'informations pour nourrir en contenu l'Apple TV telle qu'elle existe sous forme actuelle, et peut-être un téléviseur Apple à l'avenir, donc c'est des choses récurrentes, mais on est plutôt dans le problème d'amener des contenus et d'avoir les droits, plutôt que... et de disloquer en fait la continuité de la chronologie des médias, de faire en sorte qu'on puisse la saucissonner. On est plus sur des problèmes de droit intellectuel, de propriété intellectuelle, plus que sur des problèmes de technologie. Il y a eu un autre début de confirmation la semaine dernière. Moi, pendant que j'étais en Chine, il y avait un papier de China Daily avec une interview de Terry Gou, qui est le patron de Foxconn, et qui a dit, j'essaie de trouver la citation exacte, un truc absolument fou. Ça a été démenti. Fou. Le truc, c'est que c'était vraiment entre guillemets avec des mots. Alors après, Foxconn a publié un communiqué disant non, c'est-à-dire que nous sommes toujours prêts à produire les produits que nos clients nous demandent de produire. Très bien. Mais j'essaie de trouver les mots, parce que les mots, c'était pas un truc à côté ou une interprétation de ce qu'il aurait pu dire. Il disait il disait en gros, on est prêt à produire la télévision qu'Apple va faire. Voilà. Donc évidemment. Il veut bien, en tout cas. Qu'ils veulent bien, c'est qu'ils sont prêts. Ils sont rentrés au capital de Sharp, je crois, c'est ça Oui, absolument, ils ont investi dans les lignes de production de Sharp. Sharp a plusieurs intérêts, ils ont une techno qui est un peu différente des autres, c'est-à-dire ces écrans avec une techno à 4 couleurs, avec du jaune en plus du rouge, du vert et du bleu. Et puis une appétence particulière pour les grands écrans, qui est un truc là un peu américano-centrique, mais avec des gammes telles qu'on les voyait à CES, où les tailles d'écran, en gros, commençaient à 60 pouces. Quoi. Bref... on va conclure sur Loveux, parce qu'il y avait eu plein de rumeurs cette semaine. Mais dernier mot, tu en parlais, Cédric, la direction de Loveux en Allemagne a démenti, mais après a fait un petit rétropédalage. Dans un premier temps, la direction de Loveux a indiqué de ne pas être en pourparlers avec Apple. Puis dans un second communiqué, a nuancé quelque peu en affirmant qu'ils n'ont actuellement aucune information, nuance, sur le fait qu'Apple souhaite devenir actionnaire de Loveux. AG, en tout cas, s'il voulait se mettre à l'abri d'Inopea avec les 30% que s'est pris l'action, c'est fait. L'autre rumeur qui a un petit peu fait la une de tous les sites internet. Je rappelle juste un truc, Olivier, la manipulation de cours,
ouais. C'est passible de prison aux États-Unis. Hein. Ouais, mais ils sont en Allemagne. Ouais, mais pour Apple, tu vois, mais pour Apple. Ouais, Apple a rien dit. Hein. Apple, le seul qui n'a pas ouvert la bouche. C'est pas Apple qui fait ça, je veux dire, mais on verra. Écoute, on aura le fameux s'il rachète ou pas le vœu. Donc, l'autre rumeur qui a fait la une de pas mal de sites high-tech et même de grands sites de quotidiens importants aux États-Unis, à savoir le Wall Street Journal, c'est l'arrivée du prochain iPhone avec un écran plus grand. C'était le thème de la semaine dernière de notre épisode sur le Galaxy S3. Il semblerait qu'Apple suive la tendance, augmente la taille de l'écran de son prochain iPhone avec un écran de 4 pouces, Cédric. Tu veux que je te dise que c'est une surprise ? Non, mais ça confirme bien que Apple devrait logiquement suivre la tendance des téléphones sous Android. C'est même pas ça, c'est quand tu réfléchis à contrario, c'est pas possible pour Apple de sortir un téléphone qui n'est pas un écran de 4 pouces, parce que sinon il tiendrait pas la comparaison, même juste physiquement, de les mettre côte à côte en disant tiens c'est bizarre, il y a un bébé téléphone à côté des papas téléphones. Alors la question c'est pourquoi 4 pouces 4,8 pouces c'est aujourd'hui l'état de l'art du Samsung Galaxy S3, c'est trop grand pour Apple par rapport à ses contraintes de design, on en parlait déjà la semaine dernière peut-être. Non, je sais pas, on verra, mais quand on dit 4 pouces, ça peut être 4,x pouces, hein, c'est pas... Là, ce serait 4,0 pouces. Hein, ce serait 4,0 pouces. Wall Street Journal ont été assez précis sur la chose. C'est le service... Ils ont sorti des bêtises des fois, mais bon... C'est le service minimum du 4 pouces, mais pourquoi pas. Je crois que c'est la taille retenue, Emmanuel, par Nokia sur le Lumia 800, non ? Ça doit être du 4 pouces également. Sur le Lumia, je dois dire que Nokia, ça fait un moment que je regarde plus trop, en fait. Non, c'est pas très gentil, mais le Lumia, j'ai pas vraiment accroché, donc... chose qui peut peut-être expliquer, mais c'est une supposition hein, seulement, que Apple ne veuille pas trop non plus augmenter la taille de l'écran, c'est simplement l'écosystème qui existe aujourd'hui d'Apple qui permet de connecter son iPhone à différents systèmes, vous savez, les enceintes, les docks, ou des choses comme ça. Si on augmente trop la taille de l'écran, il est possible que ça nuise justement à tout ce qui est existant et qu'il puisse plus recevoir. On peut plus glisser dans un dock, par exemple. C'est une possibilité. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si Apple s'en soucie aussi. C'est une autre question. Mais il peut y avoir ce problème-là, effectivement. Monsieur X, Rodrigo, votre avis sur l'arrivée d'un écran plus grand ? Ça va dans le sens de l'histoire, au moins en tout cas. La semaine dernière, je vous ai dit, moi, je n'en ai pas besoin. Mais pourquoi pas ? Tu étais de mauvaise humeur la semaine dernière. Tu n'étais pas toi-même. Mais non. Mais surtout, ça veut dire que l'innovation hardware n'est plus chez Apple. Bah oui. Si Apple se rend compte qu'il est obligé de suivre des tendances du marché, ça veut dire qu'on est en train de tordre le bras d'Apple et donc ça ouvre une porte pour que tous les autres testent les innovations qu'ils peuvent prendre. C'est plutôt une bonne nouvelle, moi, je trouve, au contraire. Non ? Non, ils couraient en tête. Tu vois, ils achetaient des boîtes. Ouais. L'innovation, c'est plutôt ça. Ils savaient faire que ça. Par exemple, je vous en avais déjà parlé, la petite diode. Verte sur les MacBook Pro à côté de la webcam, ils ont acheté la boîte qui faisait des trous aussi petits, ils achetaient toutes les capacités de production, enfin tu vois, ils devançaient la mise sur le marché de produits. Là, s'ils se mettent à suivre ce que font les autres, c'est inquiétant. Oui, monsieur X, ton avis ? Moi j'ai trouvé ce qu'a dit Emmanuel très intéressant, à savoir un écran plus grand mais en largeur le téléphone de la même taille pour assurer une rétrocompatibilité. C'est un argument qui est recevable. Maintenant, n'oublions pas qu'Apple, quand ils ont envie de faire une rupture, peu importe l'existant des clients et l'existant des fournisseurs, c'est même une religion chez eux en termes d'innovation. On ne s'occupe pas de la base installée, parce que si on s'occupe de la base installée, ça nous empêche de sortir des innovations. Maintenant, je trouve ça quand même un point intéressant. Après, moi, je crois qu'il va y avoir un plus grand écran. Ça, c'est un S2. Hein. Quelle taille d'écran sur le S2, Cédric, là-dessus ? 4,3, donc par rapport à mon iPhone, vous voyez, c'est un peu plus large. Ouais, bon, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus Bon, j'ai un bumper maintenant. Maintenant, moi je pense qu'il va y avoir évidemment une taille d'écran un peu plus grande dans le prochain iPhone. Bon, pour les raisons que vous avez tous mentionnées, il faut aussi un peu soutenir la comparaison. Après, dans la volonté d'Apple de mettre un écran plus grand, il faut essayer de voir quels usages ils visent, parce qu'ils sont guidés par ça. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, Tim Cook est allé voir un éditeur de logiciels au Canada, je crois. Et moi, je reste persuadé que le jeu, plus de jeux, et faire de l'iPhone et de l'iPod Touch une plateforme de jeu portable, ou la plateforme de jeu portable préférée, reste un de leurs axes de travail privilégier, et avoir un plus grand écran, serait à ce titre-là, je veux dire, une bonne raison de le faire. La vraie question qu'on peut se poser également, c'est à trop monter en taille d'écran sur son smartphone, est-ce qu'on risque pas de cannibaliser carrément l'iPad ? Il y a de la marge quand même. Pas là. Quand tu regardes le Galaxy Note, tu peux te poser la question.
Non, mais en plus, si tu veux, au départ, les téléphones mobiles, il y a longtemps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ils étaient très grands. Et après, justement, la tendance a été de diminuer la taille du téléphone. On a eu les clamshells, donc ceux qui se fermaient à clapet, les téléphones à clapet. Motorola, ouais. On a fait plusieurs. Hein, StarTAC. Il y a eu le StarTAC, après il y a eu le Razer. Enfin, c'était donc vraiment la mode du penser petit, quoi. Du nano-téléphone. Nano-téléphone. Et après, quand les smartphones sont arrivés, on est reparti vers un gigantisme. Il est possible que là, avec 4-8 au niveau 4-8 pouces pour les écrans, on revienne après à des tailles qu'on reparte sur des tailles plus disons moins importantes, mais ouais, avec des technologies peut-être nouvelles. Donc on parlera peut-être tout à l'heure des écrans pliables ou des choses comme ça. Il y a un moment donné, on pourra. Toi, tu regardais mon conducteur. Hein. Voilà, par exemple, tout simplement parce qu'il y a des téléphones qu'on peut plus mettre dans sa poche. C'est aussi simple que ça. En tout cas, le Wall Street Journal est très précis concernant le process de fabrication du prochain iPhone. D'après le Wall Street Journal, donc le process de fabrication. Les chaînes de production devraient commencer le mois prochain, ce qui laisse penser que le prochain iPhone pourrait arriver à la rentrée et non plus comme c'était les années précédentes du temps des iPhone 3 et iPhone 4 avant l'été à l'occasion de la WWDC, monsieur X. Oui, je suis d'accord. Enfin bon, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, je crois que c'est tous les infos qu'on a. Oui. L'iPhone 5 ou quel que soit le nom de ce futur produit devrait arriver à l'automne, donc c'est logique qu'ils commencent la production maintenant, qu'ils mettent en stock pour avoir des produits au niveau du lancement, faire les négociations avec les distributeurs, les opérateurs pendant le mois de juin et le mois de juillet, ce qui est toujours le moment traditionnel des négociations pour la rentrée chez Apple. La seule question vraiment ouverte, c'est est-ce qu'ils vont en parler à la WWDC ou pas ? Et moi, ma réponse est non, ouais. Parce que ça risquerait de mettre en péril les ventes des modèles actuels. En revanche, ça leur permettra de le dire à un certain nombre de développeurs triés sous le volet sous NDA pour qu'une fois de plus, les applications blockbuster, Twitter, Facebook, les applications d'Adobe soient développées et optimisées pour le nouvel iPhone le jour de la sortie. Voilà, donc il y a des développeurs qui vont être mis dans la confidence et qui petit à petit l'été vont avoir accès aux spécifications du produit, mais ça ne sera pas, à mon avis, révélé publiquement à la WWDC. Pendant que je vous tiens, Monsieur X, le Wall Street Journal va plus loin. Il cite un analyste qui n'exclut pas l'arrivée d'une version moins chère de l'iPhone, preuve que le marché du smartphone est beaucoup plus divers que le voudrait Apple. Et on peut penser légitimement qu'Apple ne peut plus se contenter à l'entrée de gamme de laisser un téléphone qui a maintenant plus de 3 ans, Monsieur X. Alors c'est vrai, parce que je rappelle que le Wall Street Journal est l'organe de presse non officiel d'Apple. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose... Non, tu ne veux pas dire ça. Walt Mossberg. Oui, c'est pareil. Walt Mossberg, c'est vrai. Après, moi, je ne suis pas objectif sur la question. Je pense que bon, l'iPhone Nano existe. Est-ce qu'ils vont le sortir ? Bon, question. Existe ? Tu l'as vu ? Non, je pense qu'il existe. Ah bon, d'accord. Après, est-ce qu'ils vont le sortir ? Merde, un scoop. Moi, j'ai toujours été persuadé qu'à un moment, s'ils voulaient progresser en part de marché, il faudrait le faire. C'est vraiment ce qu'on appelle l'effet de gamme en marketing. J'ai quand même été beaucoup contredit sur le sujet, hein, puisque ouais, que ce soit sur l'iPad et sur l'iPhone, ils n'ont pas appliqué cette théorie du marketing qui avait été mise en place pour l'iPod. Ils ont préféré conserver les anciens modèles et les baisser en prix, ce qui était tout aussi malin. Alors moi, j'avais peur que les anciens modèles et soient pas attirants pour le public parce qu'ils sont un peu plus vieux en termes de design. Ils ont prouvé que ça marchait. Est-ce qu'ils vont le faire ou est-ce qu'ils vont continuer cette espèce de martingale qui est de vendre les anciens modèles ? Vraiment, j'en perds mon latin. Alors, est-ce que la réponse, et je vous oriente messieurs, c'est en sous forme d'une question, est-ce qu'Apple peut-être s'est contenté cette année de, entre guillemets, contenté de mettre le paquet sur les pays émergents où il n'y avait pas forcément une présence d'Apple très forte auparavant ? Donc ils ont, entre guillemets, découvert les produits. Voilà, l'année prochaine, peut-être qu'il faut changer son fusil d'épaule du côté de chez Apple, messieurs. Bah, moi, comme le disait Monsieur X, je pense pas nécessairement parce que en descendant les anciennes générations en prix, je pense qu'ils ont amorti une grande partie des technos et de la ligne de produits, les marges doivent être beaucoup plus importantes sur les produits comme du type iPad 2 par exemple, ouais. Et donc ça doit être des produits à très forte marge, même supérieurs en fait aux nouvelles sorties de l'iPad 3, enfin qui s'appelle l'iPad tout court. Donc je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à aller trop vite et à lancer un nano ou quelque chose comme ça qui serait en termes de marge peut-être un tout petit peu moins juteux et qui exploserait le marché. Il n'y a pas d'urgence. Non, il n'y a pas d'urgence. Et puis, ils sont déjà numéro 3. Là, les chiffres de Gartner sont tombés aujourd'hui. Ils sont numéro 3 mondial sur le trimestre. Ils ont vendu 33 millions d'unités. Devant eux, il y a Nokia, tes amis, donc à 83 millions d'unités. Pourquoi mes amis ? Non, t'es le
seul à parler du Lumia, c'est pour ça. Et Samsung. J'aime bien le design du Nokia, du Lumia. Et Samsung est numéro 1 maintenant. Hein. C'est quand même est passé numéro 1 mondial devant Nokia avec 86. On en parle la semaine dernière. Donc en gros, sauf chaque minute qui se passe, 255 iPhones sont vendus dans le monde quand même. Oui, mais sauf Emmanuel, si Apple estime qu'ils ont saturé leur cible marketing, je rappelle c'est ce que leur je disais cible, tout à l'heure. C'est pas un pays, c'est pas un opérateur, c'est la même tranche de population avec le même pouvoir d'achat dans tous les pays du monde. Ils connaissent exactement la taille de cette population, qui a un panier moyen d'achat un petit peu plus fort. S'ils pensent qu'ils l'ont saturé, leur potentiel de croissance qui est mesuré à l'aune de cette population est saturé. Et là, il faut trouver un autre relais de croissance. Et cet autre relais de croissance, moi, au niveau des téléphones mobiles, je pense qu'elle est chez les populations les plus jeunes qui sont extrêmement consommatrices de ces smartphones et qui, elle, est plus sensible au prix. Or, ils savent faire une technologie de produit avec un écran... touch, excusez-moi, je cherche mes mots. Ils l'ont fait avec l'iPod. Ils savent faire un petit écran tactile avec 10, 20, 30, 40 applications. Et là, le savoir-faire d'Apple en termes de design, de finition, de prix et une fois de plus d'attractivité est absolument unique. Ils vendent encore, même si ça baisse, beaucoup d'iPod Nano, d'iPod Shuffle. Mais ça serait vraiment un potentiel de croissance énorme pour eux avec un message simple qui est l'iPhone maintenant peut aussi être votre premier téléphone. Or, les gens qui occupaient ce terrain, c'était RIM avec les BlackBerry, et ils sont juste morts dans ce secteur. Ils ont même dit qu'ils en sortaient. Donc il y a une opportunité historique pour eux d'aller viser ces populations avec un produit iPhone. Alors, j'espère iPhone que Tim Cook t'écoute, monsieur X, on verra, on va voir. Autre rumeur donc, qui est peut-être un peu plus farfelue, celle-là, elle va intéresser Cédric parce qu'il nous en avait déjà parlé dans ce podcast, c'est les fameux écrans flexibles de Samsung qui pourraient équiper les très très futures générations d'Apple, d'iPhone. C'est le Korea Times qui a sorti ça. Cédric, c'est vrai que c'est vraiment une technologie innovante et bluffante. Je me souviens que tu nous avais parlé. Oui, mais on ne sait pas. Alors, il y a deux. Mais on pourrait penser que ce soit d'abord Samsung qui équipe ses portables avec et pas forcément Apple. C'est non ce qu'ils ont fait, mon chéri. C'est pas flexible l'écran là, si ? Non, il n'est pas flexible, mais il est courbe. Il est courbe. Ouais. Et oui, et en fait, c'est quand on parle d'écran flexible, on parle de deux choses. C'est soit un écran courbe, c'est-à-dire courbable, soit un écran, là, pour le coup, vraiment flexible, enroulable, hein, j'ai envie de dire. Impliable, presque. Le problème, là, pour le coup, ce n'est pas la techno, c'est l'implémentation. C'est oui, mais qu'est-ce que tu en fais ? Et puis, il y a des inconvénients de fragilité, de durée de vie, etc. Tu l'intègres dans un design. Enfin, ça pose plein de questions. Donc, c'est pour l'instant un peu une solution en attente d'un problème. Mais peut-être que justement ça permettrait de faire de plus grands écrans dans un form factor d'un truc qu'on aurait quand même dans sa poche, mais oulala. En termes de coût, ça doit pas être facile non plus. Hein, voilà, donc hein, ça me paraît. Moi je serais ravi d'être démenti par les faits, hein, mais ça me paraît pas extrêmement prématuré. Pas pour tout de suite. Autre serpent de mer sur internet concernant Apple, l'arrivée d'un iPad mini, un iPad plus petit équipé d'un écran de 7 pouces. Cette fois-ci, c'est DigiTimes qui dégaine. Après une première rumeur qui a été lancée au mois de janvier, février, voire mars, par le Wall Street Journal. Et ça va très loin. Ils donnent des détails concernant l'utilisation d'une nouvelle technologie de dalle, qui serait une dalle plus économique, moins épaisse, qui aurait moins d'épaisseur. Donc, ils appellent ça, je cherche mes notes. Ça s'appelle une interface tactile GF2. Monsieur X, c'est pas vraiment dans l'habitude d'Apple d'aller chercher des technologies qui sont vraiment pas, je dirais, le summum du moment, comme c'est le cas en termes d'interface tactile sur l'iPad. C'est ça qui a fait la différence par rapport aux autres interfaces tactiles quand l'iPad est arrivé. C'est pas non plus dans l'ADN d'Apple, ce genre d'attitude. Non, Apple va vraiment chercher des briques techno qui sont très 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 en avance de phase, parce qu'ils veulent en faire des produits ou des choses qu'ils imaginent ou tester des trucs. Bon, quand tu achètes de la techno, tu achètes soit ce qu'il y a de meilleur sur le moment quand tu es Apple, soit une techno qui va être un composant dans quelque chose après. Donc une fois de plus, j'ai un peu de mal à voir, bon je suis pas dans la tête d'Apple, mais j'ai un peu mal à voir sur quoi cette rumeur pourrait être fondée. En tout cas, il est certain, messieurs, qu'Apple essaye des choses. En tout cas, il y a pas mal de rumeurs, pas mal de gens qui ont vu des iPads plus petits. Est-ce qu'ils veulent préparer l'avenir et le jour où ce sera nécessaire? C'est pas forcément indispensable aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence. Ouais, mais ils peuvent avoir envie de le faire
pressé là par le marché, encore une fois. En clair, c'est des protos plutôt aujourd'hui, Cédric. J'ai aucune idée de l'état d'avancement d'un iPad mini éventuel, mais ils sont forcés de se poser la question parce qu'à un moment, moi je fais la réflexion bêtement en regardant, je suis en train d'essayer d'acheter un téléviseur, ce qui n'est pas facile parce que j'aimerais bien qu'Apple sorte le sien. Mais enfin bon. Tu peux attendre encore un petit peu, Cédric. Et je me suis aperçu qu'aujourd'hui, tu peux acheter un téléviseur 46 pouces pour mais de grandes marques pour moins de 500 euros. 46 pouces. 500 euros, c'est le prix d'entrée de l'iPad. Donc tout à coup, il y a un problème de pricing. Il sort déjà des tablettes, si on regarde le Kindle Fire d'Amazon, et si on regarde ce qui va se passer, là j'ai un papier de tout à l'heure qui dit que le mois prochain, à Google I.O., il y aurait 5 nouveaux appareils Nexus, c'est-à-dire qu'au brandé Google avec la prochaine version, avec Jelly Bean, la prochaine version d'Android, et que dans le lot, il y aurait probablement une tablette... Non, du tout, mais dans l'eau, il y aurait une ou plusieurs tablettes, dont certaines sur lesquelles ils auraient fait de gros efforts, d'abord sur le prix. Donc si tout à coup, le prix de référence de l'entrée de gamme d'une tablette, c'est moins de $250, c'est dur de tenir un prix d'entrée à $500. Alors on peut me dire, oui, mais l'iPad 2, maintenant, il est à 100 de moins. Oui, mais c'est pas ça le problème. Donc il va falloir... Mais on sait que Apple ne diversifie ses gammes que vraiment contraint, forcé, la lame du couteau sur la jugulaire, quoi. Donc ils le feront s'ils sont forcés de le faire ou si vraiment il y a un gisement de marché tel qui ne puisse l'ignorer. Quand il y a des protos, Apple essaie plein de choses. On parlait tout à l'heure de la télé d'Apple, effectivement il y a certainement un proto qui circule, mais de là à penser que les protos aillent jusqu'à des chaînes de production, c'est plutôt, enfin voilà, ça sort pas de chez Cupertino généralement, monsieur X. C'est là où je suis étonné, si tu veux, c'est que, enfin, moi j'ai jamais entendu parler de prototype qui sera allé jusqu'à une chaîne de production. Il y a le développement, le test, ça reste en laboratoire, et puis après, si tu décides effectivement de fabriquer, tu as une phase qu'on appelle en anglais de ramp-up, hein, ou de montée en puissance, où tu commences à faire une pré-série. Mais les projets dits secrets d'Apple ne partent jamais en pré-série. Bon, un exemple, quand Apple, avec le retour de Steve Jobs, a eu acheté Next au passage, comme Next fonctionnait sur processeur Intel à l'époque, ça leur a permis rapidement d'avoir des Macintosh qui tournaient avec du Windows dessus. Voilà, et ça, c'était des protos permanents qui tournaient chez Apple. Il y avait aussi des prototypes de Mac avec des processeurs Intel parce qu'ils avaient la techno pour le faire. Mais ils ont sorti ces produits, qui est le Mac avec les processeurs Intel sur Mac OS X, issu de Next, que des années après. Donc, il peut y avoir, en termes d'incubation, c'est comme les mauvais virus, beaucoup de souches. Par contre, ne partent en pré-production que les produits qui vont vraiment être sortis. Moi, je crois qu'il y a un petit phénomène, je ne veux pas revenir là-dessus, mais qui est les journalistes et la blogosphère occupent l'espace-temps qui aujourd'hui n'est pas très occupé par Apple. Non, voilà. L'iPad 7 pouces, pour moi, fait partie de ça. Il y a des choses qui relèvent de débuts d'information quand, je sais pas, quand China Daily a une citation du patron de Foxconn qui parle de télé. Il faut savoir si la citation est vraie. Il a rétro-pédalé. Enfin, c'est comme quand Stéphane Richard dit j'ai vu l'iPhone. Ah non, je l'ai pas vu. Pardon. La seule raison pour laquelle, à mon avis, Apple introduit un iPad 7 pouces, c'est parce que le chiffre d'affaires sur l'iPod est en train cette fois de vraiment baisser et ils vendent plus d'iPod, donc ils remplaceraient l'iPod Touch par un iPad 7 pouces. Là, ok. Ouais, un iPad Touch grand format. Dernier mot là-dessus. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est le marché de l'éducation, les élèves. On peut se dire qu'avoir une tablette pas très chère ne permet de rentrer plus facilement sur ce marché-là. Et c'est un marché qui est important, non pas en termes de chiffre d'affaires, etc., mais en se disant que ces enfants-là vont être habitués à un environnement, vont acheter sous un environnement Android, par exemple, si c'est les tablettes Android qui s'imposent. Et du coup, quand ils vont vouloir retrouver les années d'après leur cahier, leur prise de notes, leur livre qu'ils ont pu acheter, ils rachèteront des tablettes iOS. Des tablettes Android et pas des tablettes iOS. Donc il y a peut-être aussi quelque chose un peu défensif, c'est d'attaquer le marché des élèves, de l'université et des étudiants, pour être sûr que plus tard ils resteront dans un environnement fermé du type Apple. Alors d'un mot et très court, parce que monsieur X a parlé des puces Intel, je ne sais pas si tu as vu l'info passer, Cédric, la déclaration au magazine Forbes de Paul Otellini, qui est le PDG d'Intel, je cite: notre objectif est de faire en sorte qu'Apple sache que notre silicium, donc leur puce, est très performant, qu'il pourrait faire mieux
fonctionner le Mac, c'est déjà le cas, ou qu'il peut améliorer l'iPad, ça c'est nouveau. Ainsi, quand le constructeur prendra ses décisions, il ne pourra plus nous ignorer. Tu crois à ce scénario, à ce rêve fou d'Otellini, Cédric, que Intel puisse arriver dans un iPhone et un iPad? Ils sont plutôt en retard, on en avait parlé, souviens-toi, Mobile World Congress. Oui, mais non, parce qu'il y a maintenant un téléphone qu'on a vu à CES qui est fait par Lenovo et qui est sorti chez Orange. Orange UK. Orange UK, téléphone d'Orange avec une puce Atom Z. Voilà, ce n'est qu'un début, mais il est extrêmement performant, belle autonomie, ça va vite, ça fait de la 3D. Oui, mais ça reste encore des puces monocœur, double cœur, ils sont très loin des puces quadricœur qu'on a pu voir du côté de chez Nvidia ou du côté de chez Samsung. Mais Olivier, c'est comme si je te disais une F1, c'est un moteur de 2 litres, c'est moins bien qu'un pick-up. Non, ça n'a rien à voir. Mais peu importe, c'est performant, ça va vite, c'est économe en énergie. Mais il y a eu une très bonne analyse de Jean-Louis Gasset dans la Monday Note, qui est sa petite newsletter. Message personnel, il vient quand il veut. Il a été invité plusieurs fois. Jean-Louis Gasset est un invité permanent. Qui dit il y a une balance à trouver pour Apple. D'un côté, aujourd'hui, leurs processeurs, ils sont produits par des usines Samsung et ça leur plaît pas parce qu'évidemment, ça veut dire faire des chèques à quelqu'un qui est aussi ton concurrent direct. Ça aurait un gros intérêt pour Apple de se fournir chez Intel. Ce serait que, comme le dit très bien Gasset, Intel vend des processeurs aux constructeurs et les constructeurs vendent des machines aux humains. Donc Apple se fournirait chez quelqu'un qui n'est pas son concurrent direct. Pour ça, il faudrait qu'ils abandonnent l'architecture ARM qu'ils ont aujourd'hui, qui a de moult avantages, ceux de la customisation, d'avoir un processeur qui n'est pas exactement celui des voisins, etc. etc. Pour ça, il faudrait déjà que l'addition tienne. J'ai dit un mot, c'est en termes, oui, désolé, que l'addition tienne en termes de tarifs pour Intel et de performance. Mais ça peut avoir des attraits immédiats, c'est-à-dire que tout à coup, il ferait de bien moins gros chèques à Samsung, qui est leur concurrent direct là, sur le marché de la téléphonie. Par contre, il faut du coup, Cédric, il faudrait que Intel rachète la société de microprocesseurs qu'Apple a racheté il y a 2 ans. Quoi. Ouais, PA semi-conducteur. On s'en fout. C'est pas PA semi-conducteur, c'est ça, qui a coûté 278 millions de dollars et plus récemment en 2010. Intrinsity qui a coûté 121 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il faudrait que. Voilà, ils ont dépensé près de 500 millions de dollars dans la technologie ARM. Dans le compte d'exploitation. Oui, mais c'est quand même un savoir-faire, c'est quand même un process qui est là. Qui peut leur servir pour plein de trucs. Petit rappel, ces boîtes, c'était des boîtes de design autour des puces ARM. Donc, je ne vois pas vraiment tout de suite les voir switcher vers des puces Intel, à moins qu'Intel se propose, comme c'est le cas aujourd'hui Samsung pour Apple, de produire les puces, futures puces A5, A6 d'Apple. Et ça, ils ont le vrai savoir-faire, il n'y a pas de souci. Non ? À Intel, ils savent faire des processeurs. Ça, y a pas le... Ils ont une vraie capacité de production. Ah, puis c'est eux qui les font eux-mêmes. Enfin, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème de consolidation, Rodrigo, et un problème d'antitrust qui se dévoile? Parce que s'ils prennent à peu près tout sur toutes les plateformes d'ordinateurs, sur toutes les plateformes Intel, mobiles. Ouais. Oui, mais non, parce que c'est pas... Sur mobile, ils sont quasi inexistants aujourd'hui, Rodrigo. C'est ça, l'avenir va... C'est ça, si on suit la théorie du post-PC, ils sont pas présents sur le post-PC. S'ils gagnent ce marché aujourd'hui, ils pourront aisément démontrer que, un, c'est un marché sur lequel ils n'étaient pas maîtres, qu'ils n'ont pas utilisé leur maîtrise du marché, je parle pas des technologies, mais du marché du processeur pour ordinateur pour gagner celui du mobile, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas... tu vois, c'est pas Microsoft qui fait Windows et qui donc te force à prendre son navigateur, ce qui était le débat d'il y a 10 ans, ce qui serait plus un débat aujourd'hui, mais enfin peu importe. Donc il y aurait une question de concentration, même s'il y a ARM quand même en face, qui resterait présent sur des millions et des dizaines et des centaines de millions de devices, et puis il y a aussi encore d'autres processeurs, ceux de Texas Instruments, ceux de Broadcom, etc. etc. Donc le marché du processeur mobile, il est beaucoup plus fragmenté que celui de l'ordinateur, que ce soit Mac ou PC. Et le marché des ordinateurs est plutôt en baisse alors que tous les autres sont plutôt en croissance. Donc, voilà, donc c'est pas, je pense pas qu'on serait dans. Il n'y a pas vraiment de problème d'antitrust. Le problème, c'est qu'Intel a un peu raté cette vague-là et est en train d'y revenir avec des produits qui commencent à être convaincants, enfin qui marchent. Mais je suis étonné que pour l'instant, il n'y ait pas plus de constructeurs qui s'y soient attelés. Il faut peut-être que ça y est, que Android sorte sur ces plateformes-là et soit fini et convaincant, mais c'était déjà le cas sur le téléphone de Lenovo. Bon, on verra bien. Bien, Intel, une chose est sûre, ils vont arriver dans les Mac. Parlons enfin de Mac. Olivier, tu sais, ils y sont déjà depuis un certain temps. Oui, il y a une nouvelle plateforme d'Intel qui est arrivée il y a peu, c'est Ivy Bridge. Donc, qui devrait équiper les futures générations d'iMac et de MacBook Pro, qui semblent dans les starting blocks. Ça fait quand même un long moment
que Apple n'a pas mis à jour ses MacBook Pro. Ils ont été mis à jour en février 2011. C'est une éternité. Le dernier iMac a été mis à jour en mai 2011 et le MacBook Air en juillet. Plus d'un an pour le MacBook Pro, c'est assez étonnant quand on pense que d'ordinaire, Monsieur X, Apple avait un rapport privilégié avec Intel qui faisait en sorte qu'ils avaient quasiment une exclusivité pendant quelques semaines sur les nouvelles générations de puces et sur les plateformes. Et systématiquement, les nouveaux iMac et les nouveaux MacBook Pro, si Cédric, souviens-toi du MacBook Air notamment. Ah, ça, c'était, mais c'est, et, ça, c'était oui. Cas très particulier. Oui, mais même les cordes duo, etc., ils avaient été livrés les tout premiers. Qu'est-ce qui se passe entre Apple et Intel? Le torchon brûle, Monsieur X? Mais non, mais qu'est-ce que tu crois, Olivier? C'est comme en amour. La passion folle dure 2 ans. Voilà. C'est trois ans. L'amour dure 3 ans. Au maximum, selon si tu sais te renouveler dans ton discours. Et ça, c'est jamais sûr. Ouais. Voilà, Intel et Apple, le mariage dure déjà depuis... Allez, plus de 4 ans, plus de 5 ans, bon, il y a une petite phase de doute. Non, tout ce que ça veut dire, c'est que Apple a de la concurrence, hein. Apple a augmenté sa part de marché. Alors si on prend que les Mac, hein, on ne met pas les iPads dedans, c'est entre peut-être 5 et 10% selon les pays. C'est beaucoup mieux que ce que c'était avant l'arrivée d'Intel. Mais ça veut dire qu'à côté, il y a 90% du monde qui a encore des fabricants de PC, excusez du peu, avec des acteurs majeurs, HP et Lenovo, qui doivent pousser Intel en leur disant bon ça va, vous avez favorisé la danseuse là pendant quelques années, mais le gros de votre chiffre d'affaires, le gros client, c'est nous. Mmh. Et je pense que la balance s'équilibre et on retourne à quelque chose de plus normal, à moins qu'Intel utilise ça comme un mini chantage pour pouvoir rentrer ses processeurs mobiles dans les iPads et les iPhones. On revient au débat de tout à l'heure. Rodrigo, le Mac de toute façon pèse plus très lourd par rapport à l'iPhone ou l'iPad sur le chiffre d'affaires d'Apple aujourd'hui. C'est moins stratégique. Ça peut aussi expliquer pourquoi ils prennent leur temps. Oui, oui, c'est 20%. Enfin, j'ai pas regardé les tout derniers chiffres, mais oui, c'est 20% le Mac. Donc le beurre d'Apple vient du reste. Clairement, et les 15 milliards ou 14,7 milliards qu'ils ont dégagés au dernier trimestre viennent de là. Donc effectivement, si Intel souhaite se diversifier sur un marché qui est en croissance, qui est le marché mobile, ça va de la tablette au téléphone, s'ils cherchent à participer à ce gâteau, c'est ce qu'ils doivent faire, essayer d'attraper des parts de marché. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette nouvelle génération de plateformes d'Intel? Donc Ivy Bridge, Cédric, bien sûr des puces plus rapides, qu'est-ce qu'il y a comme autre grosse nouveauté? Il y a l'USB 3, je crois. Il y a l'USB 3, mais il y a plein de choses, mais qu'on voit surtout ce côté Ultrabook. Il faudra voir quelles fonctions Apple décide d'implémenter, mais il y a des choses qui permettraient par exemple à ton ordinateur de se rallumer parfois par quelques poignées de secondes pour aller chercher tes mises à jour Twitter, Facebook, ton mail, etc. Mm-hmm. Pour qu'au moment où tu l'ouvres, il n'ait pas besoin de se reconnecter, de tout remettre à jour. La pour classe. Que ce soit, c'est pas mal. Mais tout ça, c'était déjà sur les plateformes Ultrabook qu'on voyait en septembre dernier à l'Intel Developer Forum. Il y a des choses sur la gestion d'énergie. Mais depuis, Apple n'a pas mis à jour ses machines. Donc, voilà. Tout à fait. Mais c'est pas parce qu'ils prennent le processeur et la plateforme qui va avec qu'ils vont forcément implémenter ces fonctions. Il faut qu'elles soient implémentées dans le soft aussi. Mais il y a pas mal de choses qui font que les Ultrabooks sont des machines intéressantes en termes de fonctionnalité par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui côté Mac. Même si je me faisais la réflexion, autant j'ai eu pas énormément de mal à passer d'un iPhone à un Android, je reviendrai à un iPhone si c'est bien, si l'iPhone 5 est bien, autant honnêtement, on aurait du mal à me faire décoller de mon MacBook Air aujourd'hui. Alors, le point commun à la rafale de rumeurs qu'il y a eu encore récemment ces derniers jours autour de l'arrivée des prochains iMac et des prochains MacBook Pro, c'est qu'ils auraient un gros point commun, c'est qu'ils seraient ni plus ni moins équipés d'écran Retina Display. On sait que c'est déjà difficile à produire pour un iPad, mais imaginez un écran 27 pouces d'un iMac avec un écran Retina Display. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est faisable industriellement parlant à un coût raisonnable? Vous avez une idée, messieurs? Alors on laisse parler Cédric sur le sujet, hein, forcément. Alors, vous pour le savez. Pour l'aider, hein, je vais donner un chiffre. Carter, c'est mon dada. Pour l'aider, hein, je vais donner un chiffre. C'est Mac Rumors qui s'est amusé à calculer les résolutions en partant du ratio de pixels de l'iPhone 4 ou de l'iPad. Si l'iMac 27 pouces était Retina Display, la résolution serait de 5120 par 2880. Pixels. Ça fait 15 millions de pixels à l'écran.
Ça commence c'est 4K, à quoi. Ça, c'est oui c'est ça enfin non presque mais presque. Sur des écrans de cette taille là oui enfin mais ça aura après on coup, peut se reculer tu sais comme oui, calcule Apple alors, à alors mètre, c'est ça le mètre, problème hein. C'est la fameuse valeur la valeur Z la valeur variable qui fait que le Retina display est calculé en fonction de la distance qui te sépare de l'écran donc si avec ça se trouve si formule mathématique très complexe si ça se trouve on sait pas peut-être que dans leur résolution actuelle les écrans Mac sont déjà des Retina display en fait, parce qu'on ne voit pas les alors, pixels. Toi qui es un habitué des conférences développeurs Intel, il y a Intel récemment, tu parlais de septembre dernier, je crois même que c'était en septembre dernier, je ne veux pas dire de bêtises, qui souvent lors de ces conférences développeurs présente le futur de la technologie. Et pour eux, le futur de la technologie, c'est des écrans d'ordinateur, de tablette, d'écran avec une résolution de plus en plus fine, en clair Retina display. Et le ratio dans les mois qui viennent pour Intel, c'est 3840 par 2160. Et sur quelle taille d'écran? Sur du 24 pouces. Ah, c'est ça, d'accord. Donc, pas sur du laptop, c'est ça le truc. Ouais. Oui, tout à fait. Non, mais c'est possible parce qu'évidemment, ces résolutions-là d'écran, étant donné qu'on sait les faire pour des appareils plus petits, on saurait les faire pour des moniteurs plus grands. En plus, ça redonnerait de la valeur à ce marché-là parce qu'aujourd'hui, c'est dur d'acheter un moniteur. Enfin, les prix des moniteurs sont effondrés, ça devient un peu compliqué. Oui, pourquoi pas. Et puis, ça aurait des intérêts pour la photo, pour pas mal de trucs, pour la vidéo, même si ça restera. Ça permettrait en plus à Apple de maintenir le prix de ces machines, ce qui est quand même l'idée. L'idée, c'est je t'en mets plus dans la nouvelle génération, mais je maintiens le prix là où il était avant, ce qui serait plus compliqué sinon. Donc, il faut préciser, Cédric, qu'il n'y a aucun constructeur de PC aujourd'hui qui propose d'écran Retina Display. Donc, ce serait une belle valeur ajoutée. Mais Retina Display, on ne peut pas dire ça. Ouais. Retina Display, une résolution plus importante que ce, voilà, d'Apple. Il y a évidemment des moniteurs pour graphistes qui ont des grosses résolutions, mais ça coûte une fortune. Ouais, ça reste pour l'instant des petites séries, donc c'est vrai qu'Apple pourrait marquer sa différence là-dessus et justifier encore une fois la différence de prix. Alors, un mot sur les MacBook Pro. Je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, ils n'ont pas été mis à jour depuis février 2011. Hein. C'est un record, monsieur X, hein, plus d'un an, presque un an et demi bientôt, sans mise à jour. Selon le site 9to5Mac, on y est arrivé. Il serait, comme on le pressentait, beaucoup plus fin que les générations précédentes parce qu'il perdrait le lecteur optique, le fameux graveur de DVD. Mais ce ne serait pas non plus un MacBook Air, ce serait simplement une machine affinée. En clair, ce ne serait pas un Ultrabook, messieurs. Il n'y aurait plus de FireWire, il n'y aurait plus de port Ethernet. Plus de FireWire, plus de port Ethernet pour une machine pro. Vous ne trouvez pas que c'est une aberration, messieurs ? Plus de port Ethernet, c'est dur à défendre. On va prendre dans le détail. Plus de lecteur de DVD, je pense que c'est une question de goût et de couleur. Moi, perso, ça m'embête, mais il y a des tas d'utilisateurs pour qui ça sera OK. Arrête, donc ça va segmenter. Tu pourras plus encoder tes DVD. Pas. Le FireWire, oui, je pense qu'on peut s'en passer maintenant avec la nouvelle version d'USB dite 3. Et puis surtout avec Thunderbolt, donc ça on peut éliminer. Tu veux lui prêter le disque dur de Thunderbolt, c'est la folie. Ouais, j'ai coupé à la chic à Cédric, excuse-moi. Je suis d'accord, là, si on fait disparaître le LAN et qu'on nous met un espèce d'adaptateur comme sur les MacBook Air, là, USB LAN, ça c'est chiant parce qu'en entreprise, aujourd'hui, le LAN reste pour moi indispensable. Moi, je bosse en entreprise, je vais chez des partenaires, je vais chez des clients. Quand on essaye de se connecter à un hotspot Wi-Fi, d'abord, il faut choisir parmi 30 réseaux qui se montent les uns sur les autres, il y a plein d'interférences. Et puis, le débit des réseaux Wi-Fi en entreprise, qu'ils soient pour les employés ou pour les invités, c'est juste la misère. Voilà, donc le réseau RJ45, c'est le ce qui bon permet vieux de bosser. Réseau filaire. Et d'échanger des fichiers et d'avoir de la bande passante remontante. Donc ça, si nous le supprimons, franchement, ça sera plus une machine pro et j'y crois pas trop. Parce que là, du coup, MacBook Pro, MacBook Air, hormis la carte graphique et le processeur, il n'y aura plus vraiment de différence. Donc je crois qu'ils vont garder cette différence. La taille de l'écran aussi. Ouais, mais tu sais, t'as des pros qui privilégient un petit écran parce qu'ils privilégient la mobilité, parce qu'ils bougent beaucoup. Donc oui, moi, je crois vraiment que pro, ça veut dire connectivité et moteur. Et laissez-nous de la connectivité à un moteur. On est prêt à claquer notre blé pour ça. Donc ne retirez pas nos joujoux. Monsieur X s'est énervé. D'autant qu'on murmure en même temps qu'il y aurait peut-être un MacBook Air 15 pouces, par exemple. Donc tout à coup, les lignes vont se croiser. C'est problématique. Pas d'éternel. Oui, apparemment, MacBook Air, c'est plus grand public. MacBook Pro, c'est plus professionnel. Moi personnellement, j'utilise, toi aussi Cédric et toi aussi Rodrigo, on utilise tous des MacBook Air aujourd'hui parce qu'on en a marre de se trimballer à 3 kilos sur le dos. Ah oui, c'est un bonheur à transporter ça. Un petit mot d'ailleurs en conclusion sur les MacBook Pro à Rodrigo, pour conclure Rodrigo. Ouais, je voudrais un MacBook Air 15 pouces. Moi ça me Voilà. Moi ouais. Je veux.
Je suis très content. Franchement, je suis très très content du poids, très content. Du clavier, de mon MacBook Air. Il est suffisamment rapide. Le 13, hein. Tu as un 13, précisons-le. J'ai un 13 qui est l'actuel, hein. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un 11. Il y a le 11, oui. C'est agréable. Enfin, il n'y a pas plus grand. Je le trouve très très bien. Franchement, je le trouve très très bien. J'ai rarement besoin de le connecter au LAN. Je comprends ce que dit Monsieur X. Il y a quelques mois, effectivement, je me branchais assez souvent sur un réseau qui était à 60 gigas symétrique, pardon, méga symétrique, et se connecter en Wi-Fi, c'était la misère. Mais ça ne me gêne pas, le petit bout de câble. On peut l'améliorer. Hein. L'adaptateur USB LAN, hein, c'est ça. Oui, qui ressemble à ça. Bon, c'est ça d'ailleurs. C'est pas terrible, hein. Je pense que ce petit truc-là, on peut peut-être l'améliorer, le rendre plus joli, je sais pas. Mais ça me gêne pas. Le manque de lecteur, mais écoute, un jour il m'a fallu un lecteur, donc je suis allé en acheter un externe, tu vois, qui est là. Mais ah, mais c'est cher quand même, attends. 70 euros, ça va. Attends, c'est un lecteur de DVD, un graveur DVD, 70 euros et un externe USB, mais ça vaut même pas 30 euros dans mon PC, quoi. Oh, mais ça va, c'est dingue. Bon, ça va, quoi. C'est, si on parle de l'univers de l'entreprise, ça va, on s'en fout, c'est pas le prix. Ouais, bon. En revanche, je m'en sers assez peu. Je m'en sers pas pour regarder des films, ou alors je les ai pas en DVD. Je m'en sers pas pour graver des sauvegardes, je les ai pas en DVD. Il me sert juste à installer des softs qu'on m'envoie. Et dans ce cas particulier, c'était pour booter sur un problème de disque. Voilà. Donc. Pas de FireWire, on s'en fout totalement. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont des disques existants. Hein. Mais moi, j'ai pas d'USB 3, moi j'ai de l'ISATA. J'en ai beaucoup. Donc l'ISATA, c'est pas mal, hein, franchement. S'il devait y avoir c'est un pas au programme. Ouais, mais s'il devait y avoir un connecteur, why not? C'est pas au programme. Le seul truc que je voudrais, c'est un écran plus grand, tout en maintenant le poids, l'autonomie de mon MacBook Air. Et pour un 17 pouces. Je sais pas à quoi ça sert à part au monteur. Ouais, pour un monteur, ouais. Guillaume, quel monteur pour monter bah, parce qu'ils ont deux. C'est le réalisateur de plein écran. Il travaille avec un 17, quoi. C'est indispensable. Oui. Ça, c'est si on arrête de faire des 17, on va être très malheureux. Nous. Et dans ce cas-là, quand c'est 17, c'est tellement gros de façon, on le trimballe pas, donc et on le transporte. Hein, il n'est pas mobile, il n'est pas portable, c'est transportable à l'époque. Donc enfin, moi, dans ce cas-là, moi, il peut avoir toute la connectique déjà intégrée. S'il peut ouais. Plus faire plus machin, plus truc. Ouais, voilà. Mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, messieurs, une fois qu'on a goûté à la légèreté d'un ultrabook comme le MacBook Air, si on a quand même une relativement puissant, très difficile de revenir en arrière. Mais je sais que M. X, lui, est resté sur une architecture plus classique. Non, mais c'est simplement parce que moi, j'ai qu'une seule machine. Toi, il me semble, Olivier, que tu as un iMac à la maison. Non, je ne sais plus. Non, oui. Mais j'ai l'iMac ici au bureau, mais voilà. Aujourd'hui, oui, mais moi, le MacBook Air me suffit largement. Ouais. Je traite pour le plaisir et puis aussi parce que je convertis des fichiers en M4V. Hein, je ne veux pas le savoir. Utiliser dans iTunes des gros fichiers vidéo. Tu vas aimer voilà. Notre... Tu vas... Ah. Et ça, le j'ai fait un dossier pour toi, monsieur. C'est une commande. Hein, regardez, il est là. C'est encodé c'est DVD, DivX, Blu-ray. Voilà. C'est classe. Voilà, rien que pour monsieur X dans le prochain à écrire. Ouais. Le MacBook Air me permet pas de faire ce boulot. Il me faut 6 heures. Alors avec mon MacBook Pro, il me faut 1 heure. Bien. Et puis, je peux faire plein de choses en même temps. Mon processeur n'est pas saturé. Laissez-nous nos joujoux. Bien. Voilà, j'espère qu'on a été le plus complet concernant les rumeurs parce qu'elles se sont multipliées cette semaine. On va passer tout de suite aux questions Twitter. Une question pour True Mister X, question d'Arnaud 12. Eh ben oui, si Apple, soyez un peu concentrés messieurs, si Apple arrête le Mac Pro, vers qui, vers quoi les professionnels, artistes, autres utilisateurs ayant besoin de puissance pourront se tourner, monsieur X? Faut d'abord que je change mon nom de vieille star du porno quand même. ça fait rigoler tout le monde. Alors, si on arrête le Mac Pro, vers quoi les utilisateurs vont se tourner? Écoutez, je ne suis plus l'actualité, PC en détail, mais il me semble avoir vu passer il n'y a pas longtemps des annonces de Hewlett-Packard qui font non, encore tu vas pas des machines sur PC. Libellé compact, ils ont gardé cette retour. Vieille marque, ouais. Qui est synonyme de machine de puissance chez eux en termes de ligne de produits et qui ont l'air d'être des bombes atomiques. Donc ne cherchez pas. HP, switcher sur Windows. Non, mais HP et la gamme compact et vous en aurez pour votre argent. Ouais, chez HP, ils font encore des stations de travail, tu vois. Ouais. Donc, l'iMac, les stations de travail HP compact. Un iMac 27, non. Écoute, l'iMac 27, c'est bien, mais une fois de plus, les professionnels ont besoin de pouvoir faire évoluer leur machine, rajouter du stockage, changer éventuellement la carte vidéo, être libre dans leur mémoire. Et l'iMac, alors c'est vraiment, c'est une boîte de conserve de chez Casgrain. Tu l'achètes.
Et la seule manière de l'ouvrir, c'est un énorme ouvre-boîte. Mais si tu c'est pas comme ça que tu me l'avais vendu quand t'étais chez Apple. Hein. Escroc, monsieur X. Et tu sais qu'à l'époque, tu pouvais réparer ton iMac tout seul. C'est vrai, tu pouvais l'ouvrir facilement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Deux questions concernant iCloud. D'abord, une première question de Mathieu Chabot. Une sauvegarde iCloud pour Mac, vous y croyez? Et question de Cessassu. Question concernant iOS et iCloud, est-ce qu'Apple ouvrirait son service à tout type de fichiers pour contrer effectivement Dropbox? Donc, est-ce que d'abord, iCloud, vous croyez une sauvegarde iCloud sur le Mac, comme pour l'iOS, mais pour le Mac? Bon, là, deuxième question, est-ce que Apple va ouvrir l'enregistrement des fichiers à tout type d'application et pas simplement celle d'Apple, comme Dropbox? Je crois que c'est déjà le cas dans les deux cas, ce serait de bonnes idées. C'est déjà le cas, je crois, pour les applications. Ouais, je crois que c'est déjà le cas pour Mountain Lion en plus. Ouais. Mais on n'est pas dans le secret des dieux, quoi. Ouais. Je crois qu'on a déjà répondu à cette question, mais je peux pas m'empêcher, donc je vais rajouter mon grain de sel. Ah, il est énervé. Le backup dans le cloud, et peut-être que Rodrigo pourra donner des détails, il me semble que ça dépend avant tout de la bande passante remontante. Donc la problématique n'est pas chez Apple, elle est dans les tuyaux. Donnez-nous de la bande passante remontante, y compris mobile, cette question-là n'existera plus. On aura de la bande passante remontante, on pourra backuper ce qu'on veut, il y aura plein de services qui se créeront là-dessus. Il faut attendre l'infrastructure. Moi, je pense pas qu'il faille attendre l'infrastructure. Je pense que l'infrastructure, elle appartient aux opérateurs télécom aujourd'hui, qui, eux, veulent faire du cloud et qui n'ont aucun intérêt à simplifier le cloud d'Apple et pousser plutôt le leur. Donc la qualité du réseau, elle est plutôt du côté des opérateurs et ils vont pousser cet avantage jusqu'au bout pour pousser pour rendre du service. Pour le réseau mobile, mais pour le réseau filaire, souviens-toi ce que nous avait dit Xavier Niel lorsqu'on l'avait accueilli dans l'émission, tu étais avec nous. Il avait dit la fibre, Xavier, s'en est où le développement? Et il nous disait, finalement, ça avance gentiment, bon, on demande à voir. Et surtout, il nous disait, en gros, c'est plus une demande du grand public, la fibre. Voyons. Non, mais c'est pas qu'une question de fibre, c'est une question de réseau, même ADSL, c'est pas... Ouais. C'est qu'aujourd'hui, tu t'es chez Free, tu veux regarder du YouTube, ça marche pas. Et c'est pas parce que le réseau de Free est pourri. Non, parce qu'ils bloquent, oui, bien sûr. Et c'est ce qu'ils font avec Apple. Steam, on refait le Mac, voilà. Sauf qu'on reçoit Xavier Niel, où là, l'émission sans problème. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, hein, parce que moi, je me souviens avoir eu, comme tout le monde, des problèmes, parce que je suis abonné Free à la maison. À un moment, YouTube, ça c'est fini, ça fait très longtemps que j'ai pas... N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Ah non, mais si ça que Xavier Niel ait bridé le YouTube de Daniel Paquette, ça c'est un autre. Ça ne m'étonne pas. Ils sont comme chien et chat. Dernière question, monsieur, concernant une question de Foxity78. Apple peut-il perdre du terrain sur Samsung en nous sortant son iPhone 5 en octobre alors que le GS3 est presque... déjà là? La réponse est dans la question. Merci, merci Foxity. Ça veut dire quoi, perdre du terrain? Ça veut surtout dire laisser Samsung... Ils ne sont pas au sommet de l'état l'art du marché, quoi. Ils ne sont pas... c'est un peu comme un match de foot où les deux équipes ne commenceraient pas à la même heure, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. N'empêche, les ventes de l'iPhone 4 et 4S et même 3GS sont sur une telle lancée que, voilà, les effets, s'ils existent, ne se verront pas tout de suite, loin de là. Mais on l'a dit la semaine dernière, je pense que c'est d'abord, et même pour Apple, un problème de perception. C'était délicieux dans le ORM de la semaine dernière, il y a un commentaire sur YouTube où il y a quand même un garçon, mais qui doit être picousé à mort, qui dit mais ce n'est pas possible que Samsung fasse ça, parce que d'ordinaire ils ne font que copier. Alors comment font-ils pour sortir un truc avant? Enfin, on sentait que son monde était en train de s'écrouler ou de repartir à l'envers et qu'il rentrait dans une réalité parallèle. Et en gros, il disait il va falloir attendre la sortie de l'iPhone 5 pour voir si Samsung a copié. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de dialectique auquel on est en train d'arriver. Il n'y a pas que la taille de l'écran, il y a également l'épaisseur du téléphone. Et comme on sait qu'Apple a déposé une demande pour des nano cartes SIM, s'ils arrivent à rentrer leur propre format de nano carte SIM, ça veut dire que l'épaisseur de l'iPhone 5 sera inférieure au Samsung Galaxy S3, très probablement. Attention, parce que c'est pas la même techno. Hein. On a du LCD chez Apple et de l'AMOLED chez Samsung. Où il n'y a pas de rétroéclairage. Et il y a du verre et du métal. Avec un écran de 4 pouces. Ou alors il faut casser le design. Voilà. Enfin, moi je fais un pari là-dessus, hein, mais je pense que l'iPhone 5 y aura un gros changement. Ah ben ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils reprennent le leadership là-dessus.
Il faut quand même qu'ils se dépêchent, Apple. Hein. Autrement, pour reprendre la parabole footballistique de Cédric, ils vont aller à la Coupe du Monde avec Johan Gourcuff. Hein. Donc, ça peut marcher. Enfin, pardon, à l'Euro avec Johan Gourcuff. Bah, c'est prévu, ça, marcher, hein, ça y est, il a été sélectionné. Mais c'est un pari, quoi. Donc, qu'ils se dépêchent. Bien, messieurs, on passe à vos coups de cœur. Alors, messieurs, vos coups de cœur, on commence par Cédric. C'est un livre, cette semaine. Non. Je te promets, un livre pour enfants. Moi, j'ai cherché le mien. Pour raconter de vraies belles histoires. Zut, c'est le même coup de cœur qu'Emmanuel Paquet. J'espère c'est pas. Le même, quoi, c'est Who Was Steve Jobs, la biographie de Steve Jobs expliquée aux petits enfants. Non. Non, c'est pas celle-là. Regardez par la magie de la vraie fausse télévision, regardez, vous voyez les images au moment où je vous en parle, c'est merveilleux. C'est vraiment la vie de Steve Jobs expliquée à des enfants. Allez, quel âge? Moi, je le veux. Moi, je le pense veux. Qu'à partir. Ah bah oui, de toute façon, toi, tu as gardé une âme d'enfant, c'est très différent. C'est avec des jolis dessins, on se croit dans un livre de Beatrix Potter, avec les premiers ordinateurs de Steve Jobs beauté, a fait, et toutes les machines, etc. Et lui et son ami Steve Wozniak, et où est-ce qu'il est né, et son papa qui était mécanicien. Enfin, en gros, c'est la biographie, le prix n'a pas beaucoup d'importance. C'est malheureusement uniquement en anglais. Déception. Ah bah oui, forcément, déception, mais c'est disponible chez Amazon, tu veux le prix, 4,99$, le prix vous fera rire. Vous pouvez aller lire les planches ou certaines de ces planches sur Amazon.com ou sur le papier que 9to5 Mac a mis en ligne. Emmanuel Paquette, ton coup de cœur ce soir. Alors mon coup de cœur, c'est également un livre interactif de studio californien qui a été fondé par des anciennes Pixar, j'en avais déjà un petit peu parlé. Là, l'application s'appelle Numberless, donc c'est pour apprendre en fait... les lettres et les chiffres aux enfants. C'est extrêmement bien fait, c'est en noir et blanc, donc c'est extrêmement bien animé, c'est franchement magnifique. Ça fait rappeler d'une certaine manière des vieux films, des Fritz Lang pour ceux qui ont pu en voir, Metropolis, etc. Mais adapté pour les enfants avec des jeux pour apprendre chaque lettre de A jusqu'à Z et en jouant pour apprendre l'alphabet, et c'est extraordinaire. It's huge, it's amazing. It's amazing, ouais. Et ça vaut 4,99€. Monsieur X, ton coup de cœur ce soir? D'abord, l'application, un des derniers nés sur Internet de l'actualité, Mac, qui s'appelle Crazy Mac, qui sort son appli sur iPhone. C'est assez beau et c'est rafraîchissant, donc allez voir. Mon coup de cœur, c'est l'application, enfin c'est le service, plus globalement, de Canal+, qui s'appelle Multi-écran et qui vous permet de regarder toutes les chaînes du groupe Canal+, payantes pour 4€ de plus par mois sur votre iPhone, iPad et sur votre Mac. C'est génial sur Mac. Vous avez, grâce à la technologie Microsoft Silverlight, Canal+ sur votre Mac. Non mais qu'est-ce qui lui arrive, Monsieur X? C'est génial aussi sur le papier, sur iPod et sur iPhone, sauf qu'il n'y a pas de Silverlight sur iPod et sur iPhone. Forcément. Dans iOS. Je suis abonné, moi, regarde, je viens de le prendre. Voilà. Donc, ils utilisent sur iPhone et sur iPad QuickTime Broadcaster, et là, c'est de la merde. Donc, mon message, s'il vous plaît, Microsoft, Apple, mettez-vous d'accord, délivrez Silverlight pour iOS et donnez-le à Canal+ pour qu'on ait ça dans Canal Touch. C'est comme pour Flash, on ne peut pas attendre. Ouais. Et puis ma dernière chose, mon coup de gueule, qu'Apple enfin dans le nouvel iPhone ou dans la nouvelle version d'iOS nous permette d'utiliser notre iPhone comme une clé USB pour transporter des fichiers qui nous permettent d'accéder au système de fichiers de l'iPhone. S'il vous plaît, ça fait tellement longtemps qu'on demande. Très bien, merci Monsieur X. Et probablement sans fil, parce qu'on se promène rarement avec son câble. Ouais, c'est vrai. Oui, Rodrigo, merci. Oui, Rodrigo. Dernier coup de cœur pour Rodrigo, justement. Parce que moi, c'est pas vraiment un coup de cœur. On n'est pas arrivé à 10 000, alors pourquoi je vais vous faire des coups de cœur? Eh ben, tu n'en fais pas. À la semaine prochaine. Tu n'en fais pas, merci, bonsoir. Et à la semaine prochaine. Mais j'en avais un pour Cédric. Ah, c'est mignon. Allons-y. Attends, j'ai une petite appli iPhone qui sert à rien, qui est sortie il y a 6 jours. Mm-hmm. Ouais. Toute mignonne, qui vous fait un petit jingle suivant la météo à l'extérieur et qui vous fait réveil du matin. Et c'est tout mignon. C'est mignon. Pourquoi que Cédric s'appelle comment? Eh ben, c'est une petite application avec un petit graphisme tout léger. Mm-hmm. Et suivant la météo, ça vous fait un petit jingle différent. Et il y a une petite voix métallisée qui vous fait « Il est 5 heures, debout ». Et c'est édité par une société rigolote, ça s'appelle Uniqlo. Cédric est un grand fan, pour ceux qui ne suivent pas ce podcast. Serais-tu en train de me parler de Uniqlo Wake Up? Absolument. Qui existe. C'est mignon, hein?
qui existe également sur Android avec des petits jingles. Oui, on a vu. Il est 8h22 du soir. C'est très mignon. C'est très Allez, très j'en ai deux autres, très vite. Une qui sert à rien. Vite. Et si vous vous ennuyez ce week-end, vous connaissez iDaft ? Non. Non. C'est une appli pour iPhone pour jouer à Daft Punk. Donc vous avez un clavier virtuel, vous tapez dessus, vous faites faster, faster, stronger, stronger. Ok, d'accord. C'est vachement bien. Et puis la dernière. Indispensable. Non, c'est très bien. Non, vous jouez à Daft Punk, c'est très bien. Et puis la dernière, parce que je l'ai acheté, je regrette pas, ça coûte assez cher, je crois, hein, quelques euros. Quelques euros, ouais, d'accord. Je m'en suis servi il y a quelques mois, parce que comme vous savez tous, j'ai une longue liste de coups de cœur. Avec mes enfants dans le train, à l'aller, au retour, sur place, c'est Monopoly pour iPad. Je trouve que c'est vachement bien fait. Ah ouais, c'est une nouveauté, surtout. Non, mais c'est coup de cœur. Hein. Il n'y a pas marqué l'office des communiqués de presse. C'est pas cassé cette semaine, Rodrigo. Il hein. n'y a pas marqué l'office des communiqués de presse ici. Il y a marqué coup de cœur. Ah bah justement, je vais le faire, mon communiqué de presse, parce que c'est mon coup de cœur. Alors, regardez bien, messieurs. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ceci ? Ceci est un iPad, bien sûr, de dernière génération parce que je suis pauvre. Et qu'est-ce que c'est ceci ? Regardez, oh que c'est beau, regardez la magnifique. Mon application, pas note, ouais, c'est bon. Voilà, c'est pas facile, hein. Je suis pas un agilopétré. Regardez, c'est de toute beauté. Regardez, c'est la nouvelle application iPad pour en refaire le Mac, messieurs. Des années, j'avais pas entendu ce mot-là. Ouais, alors ne plus me demander, voilà. C'est lui qui avait une queue de cheval ? Mmh. Ouais, bah voilà. Ah, ça tirait donc bien. Vous avez une petite idée de ce que ressemblera bientôt la nouvelle application iPad si vous avez un iPad 3 en Retina Display. Donc un grand merci, un grand bravo aux équipes de Ludis qui nous ont développé cette appli. Elle sera disponible très bientôt, le temps de la soumettre à Apple. On verra ce que ça fera. Est-ce que tu peux faire l'abonnement externe? Voilà, il y aura plein de fonctionnalités nouvelles que vous n'avez pas dans l'actuel qui ne fonctionnent pas super sur les iPad 1 notamment. Il y aura aussi une nouvelle version pour l'iPhone où on fera signe très vite dès qu'elle sera disponible. Voilà, messieurs, merci d'avoir participé à ce 102e épisode d'En Refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran. Qu'est-ce qu'il y a au programme samedi? Et toutes les nouveautés, justement, que HP a dévoilées il y a quelques jours à Shanghai, où j'étais la semaine dernière. Donc, les nouveaux ultrabooks, l'imprimante scanner mobile portable à batterie. Enfin, il y a plein de trucs rigolos. Et puis, allez voir, c'est dans l'émission 14h10 samedi sur LCI. Ou sur tfnews.fr. Heureusement que je suis là pour faire la promo. Hein. Vous retrouvez Emmanuel Paquette chaque semaine dans l'hebdomadaire L'Express. Pas toutes, mais presque. Toutes. Oui, parce qu'il est feignant. C'est vrai qu'il travaille qu'une semaine sur deux. Avant, il travaillait vraiment dans un quotidien. Dans un quotidien. Exactement. Ça a dû changer la vie. Ça s'appelle journaliste d'investigation. Oui, c'est ça. Non, ne rigole pas, s'il te plaît. Merci. Oui, non, ça s'appelle grand reporter. C'est-à-dire que tu n'es pas au bureau et personne ne se True Mister X alias Monsieur X, vous le retrouvez sur Twitter et dans sa cuisine ou dans son bureau chaque semaine dans Refait le Mac. Et dernier chroniqueur, c'est bien sûr Rodrigo qui désespère de ne pas atteindre les 10 000 followers sur Twitter. Allez, faites-lui plaisir. Ouais, mais en plus, Cédric, il doit être pas loin des 14 000, donc on va falloir remonter là-bas. Plus de succès. Pas loin, c'est pas, et Cédric même un peu plus au-dessus, de succès que toi, c'est tout. Et voilà, il est plus intelligent, il est plus beau, il est plus mince, je ne sais pas, il y a quelque chose en plus. Voilà. En tout cas, ne ratez pas l'émission la semaine prochaine, puisqu'on sera avec Greenpeace. Je pense que ce sera une émission sympa. Et en attendant, donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.